bous ou demi-bous, yo bay l'isla en pile guerrier pour ne pas citer chaque institution avec moun qui accepte rentrer dans des massa en pile demande nous pas gagner prétention à priver voyez toute jeune yo à l'apprendre yon métier mais c'est plutôt une invitation nous lancer là et on fait encore à l'état pour assumer responsabilité pendant n'a pas encourager moun ak l'autre institution qui gagner ouais pour supporter jeunes qui pas gain moyen famille qui pas gain moyen yo rivé voyer petit yo soit aller l'école ou bien apprendre yon métier pour changer la vie yo et nous connaît déjà tant vaut la jeunesse tant vaut la nation sinon rivé mettez en métier une mettez connaissance dans tête jeune yo jodia n'a capable assurer de yon pi bon demain l'autre matin encore guerrier gagné de l'autre particulier de institution encore qui promettent nous de boost pendant n'a tonne hein de l'autre institution qui quand même t'a capable répondre à l'appel aux jeunes nous dans gros campagne ça matin n'a bien pour nous recevoir responsable Wonderful Institute université métropolitaine d'Haïti gagné Kumoto capoté boost matin pour contribuer avec nous dans gros campagne ça pour nous retirer zam nan men jeune qui nan quartier difficile yo pour nous mettre métier nan men yo pour capable gagner la vie. Oui, pendant n'a mandé l'état les mêmes pour créer conditions pour capable gen moun qui vient investir dans pays pour kaba question insécurité question en tout cas conflit aérien qui empêchait on équipe entreprise d'état vienne tabli quoi dans pays instabilité chronique qui vient dans pays hein, tout ça a pas empêché même lorsque jeune n'a pas fini d'étudier hein mais il n'a pas besoin de goûter pour le travail si l'état lui-même pas créer conditions pour investissement vienne fait dans pays hein, pour banque apprendre bay crédit investissement à jeune yo à monde qui gagne l'idée au lieu c'est monde pas hein, pour gagner pour capable joindre un petit crédit dans la banque yo. Nous allons parler, Pierre Ronel, de massacre ou bien attaque qui fait contre citoyens dans Belin. Côté, d'après RNDDH, a gagné 13 monde qui mourir, 5 disparaître, 4 autres blessés, 22 cailles, 3 petits commerces boulés rapides. C'est bilan partiel, enquête réseau national Cap Défendre Droit Mounio réalisé après dernier massacre qui fait 1er avril. Passé un, on y Auguste, aussi Auguste du Sénat a dénoncé passivité autorité concernée yo, qui jusqu'à présent par Jean me dit en lien face à la situation ça. Responsable programme RNDDH là regrette toute victime yo qui quittait la caillou abdomi dans la rue entre hôtel dans micro Lydie Alexandre. C'est Rosie Auguste du Sénat Mac Joël. Nous même bon côté pas dans RNDDH, nous t'es arrivé parler jusqu'à hier en tout cas à 56 victimes qui c'est des rescapés donc a dit de violence ça yo de attaque ça yo qui enregistré au niveau du Bel Air yo et première information que t'es partagé donc t'es suffisamment alarmante donc a dit pour te forcer nous prendre note ça pour nous te rapidement alerter opinion publique sur ça qui a passé au niveau de Bel Air. Effectivement, information que vous partagez avec nous, c'est que le 31 mars et 1er avril, il y a deux tentatives d'enlèvement qui ont enregistré au niveau de Bel Air. Le 31 mars, c'est résident dans la zone Bel Air qui est entré dans échange de tir avec membre qui a craché différents pour être empêché que un personnage qui était a conduit machine ni kidnappé par gang ça que nous connaissons qui dirigé par Wilson Pierre alias Tissonson. Dans 1er avril, qu'il gagnait malheureusement dans tentative d'enlèvement ça, Lisa Nathanael Saint-Fort qui pourrait mourir parce que bandi arméo t'a ouvert zame sous machine côté Lisa teyé et li prend balle. Maintenant, dans l'après-midi 1er avril 2021, qu'il vient gagner deux autres gangs, yo tous les deux, yo fait partie tout de G9 en famille et alliés, qui pourrait venir en renfort à base craché diffé en raison de deux échecs ça. Yo mettait tête ensemble pour yo assiéger Obélien parce que yo considérait que c'est Obélien qui fait que yo essuyer échec ça.
Et pour yoter qu'a fait ça, yo marché sous rue Macanjou, rue Monseigneur Guillou avec rue des Fonds Forts, ça qui vient fait que yo mettait population qui a vivre dans Oberlin dans yon sandwich. Depuis là ça, c'est des attaques sporadiques qui a fait de l'autre gang ça que nous a parlé là qui vient en renfort à base caché d'ife, c'est gang qui dirigé par Iska Andris qui a opéré dans Bélécou dans Cité Soleil avec l'autre gang ça qui dirigé par Mikanor Alves alias Wa Mikanor qui lui-même a opéré dans Waf Jérémy. Bilan que nous présenter dans quatre communiqués de presse ça que nous partager hein, c'est un bilan qui partiel mais qui déjà très lourd pourtant dans date 31 mars 2021, gagne 7 monde pour pipiti qui mouri et dans date 1er avril 2021, gagne 6 monde pour pipiti qui mouri. Cependant pour monde qui mouri, on a attiré attention tout le monde sur le fait que gagne Wani Toniza qui âgé de 69 ans qui mouri et même Jean Tou Franck Moléon, c'est grand monde 78 ans ça qui brûlait vif la Kaili dans rue Monseigneur Guillou. Gagnent tout pour pipiti 5 monde qui portaient disparu et nous gagnent information tout que gagnent pour pipiti 4 monde qui blessés. Parmi monde qui blessé, yo gagnent Jasmine Joseph lui-même qui sont grand monde 86 ans que bandi yo entré la Kaili 1er avril, yo lagué en bas de premier étage Kaili et après yo traîné dans la rue a et c'est intervention monde résident qui dans rue Monseigneur Guillou qui pourrait permettre que ville sauvée. Sous ça qui vient avec perte matérielle, nous enregistré pour pipiti 22 cailles côté monde terreté, 3 commerces, yon commerce provision alimentaire, yon boulangerie avec yon entreprise multiservice, mette avec 3 motos qui boulaient et gagné yon machine tout que yon saccagé. Naturellement, dans le cadre de notre ça, nous prenons le soin tout pour nous rappeler à attention tout le monde que c'est pas la première attaque que Belé a subi. Et Belé, en 2019 avec 2020, il subit déjà 2 massacres. Sorti 4 pour arriver 8 novembre 2019, il y a un premier massacre qui était fait côté de gagner 24 monde qui était assassiné. Et même Jean-Tou, sorti 27 août pour arriver fin mois de décembre 2021, il y a 37 monde qui mouri assassiné dans Belé parmi eux 7 femmes. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, il est clair que tout ça qui a passé dans Belé, c'est des événements qui a fait embager autorité d'État. Or moun sa yo que nous parler avec yo, 56 victimes sa yo que nous rencontrer yo, c'est des victimes qui montrent nous à clair que yo peur. Yo obligé quitter kayo, gagné qui a vivre sous place publique jeudi jodi a gagné qui a vivre dans des espaces qui vraiment non appropriés. Par exemple, imaginez nous jodi a pas plus tard que jodi a même nous parler avec des victimes qui dit nous que y a dormi devant maquette PIAI national là. Donc nous ca comprendre que c'est une situation qui rend nous vulnérables plus toujours, qui exposé à intempéries puisque presque tous les soirs gagné la pluie, mais tout qui exposé à tout qualités actes qui capotent atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Pourtant, tout ça a passé au niveau de Bel Air, alors que tout le monde connaît que le quartier général, brigade opération intervention départementale, c'est dans Bel Air Chita. Donc, pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, léthargie au état-major police nationale d'Haïti, mutisme par rapport à tout ça qui a fait dans Bel Air, yo seulement dénoté que l'ICE complice G9 en famille et alliés. Et c'est face à situation ça que nous rappelons à tout agent, femme ou garçon qui est dans la police nationale d'Haïti et qui n'a pas gagné aucun lien, qui n'a pas de connivence avec gang armée, pour songer obligation que vous gagnez, pour ranger vos côtés victimes. Et ça va permettre que justement, il y a fait couille au connaît pour protéger population Beléa, défendre population Beléa de différents assauts ça. Yo que G9 en famille a fait sous Belé parce que G9 en famille a dit que faut Belé tomber quand même pour sécuriser population Belé par tous les moyens et puis pour mettre fin à différentes attaques ça qui a fait sous population Belé là. Et 25 jours après, équipe qui n'était l'État fin déclaré état d'urgence sécuritaire sous certaines zones côté Neg Axam a coupé raché tant coup Grand Ravine village de Dieu, nous constatons aucune action concrète pas posée pour justifier une décision pareille jusqu'à journée jeudi à équipe qui n'était gouvernement pas aucune précision non plus sur quantité l'argent yo décaissé pendant état d'urgence ça et face à transparence qui pas faite sous dossier ça ancien député circonscription
Marigo Adeus Deronet ak ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé conclu état d'urgence sans cité. Il était gagné un seul objectif qui c'était faciliter équipe qui en tête l'état Kimbe pouvoir. En suivant un reportage à Conchel Adrien. C'était 16 mars 2021. À travers un tweet, personnage qui dans tête l'état a déclaré état urgence sécuritaire sous certains quartiers pays à n'examen contrôlé parmi eux Grand Ravine, village de Dieu ak Savien. Et pour justifier nécessité décision ça, équipe qui dans tête l'état cité comme prétexte attaque terroriste, atteinte grave contre l'ordre public ak sécurité nationale, yon mezi qui prend après échec yon opération dans village de Dieu côté 5 policiers perdu la vie. Cependant, 24 jours après état urgence, aucune autorité pas en mesure pour bay précision sur combien opérations yo mené, combien dans zone yo inscrit dans état urgence, yo rivé rétabli l'ordre avec sécurité. Non plus, yo pas en mesure pour dire combien l'argent qui sorti dans trésor public pour état urgence. Face à transparence qui manquait sous dossier ça, ancien député circonscription Marigoa Deus Deronet aboutit à conclusion ça. Je dis, avec question insécurité, tout le monde a parlé de l'insécurité en Haïti, déclarer état d'urgence sécurité, ce n'est pas pour pas une solution. Parce que regardez, quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises? Tout le monde connaît l'espace que vous dites, bandit, vous avez été. Tout le monde connaît non yo. Mais regardez, avant hier là, regardez qui ça, Genève Alcé encore bel air, autant de cris, autant de relais en moi, mais pas rien qui fait de manière concrète. En ce moment, on dit qu'il y a des policiers sans enquête, nous bien déclarer, puisque vous avez un SPNH, vous voyez dit que mon société des mondes qui a perdu la paix publique et que nous essayons d'arrêter eux mais depuis l'état d'urgence ça pas gagné on ban tout temps d'arrêter pas gagné on descend des lieux ou t'as des fêtes dans une zone de non droit donc c'est pour dire on même m'inscrit des massas non démarche qui pure et simplement pour leur faire propagande et deux pour leur capable de faire l'argent de manière facile. C'est presque même déduction pour ancien sénateur nord-est Jean-Baptiste Bien-Aimé. Pour l'équipe ça qui kembe l'État sans aucune légitimité, il y a un seul objectif. Décret ça qui prend pour déclarer l'état d'urgence, là, il y a un seul objectif. C'est continuer de chépiller qu'est-ce l'État, continuer de voler comme BIA pour grossir qu'est-ce PHTK banane pour permettre qu'il y a le préparer élection, piqué-collé, élection graine sa part. État urgence, généralement, c'est une disposition l'État souvent prend pour répondre à plus de rapidité, à besoin de population pendant une période compliquée, soit après passage d'une catastrophe naturelle. Dans la période urgence, ça, méthode pour aboutir à décaissement fonds et un petit gens allégé. Et c'était dans quatre urgences pour répondre à des passages quatre cyclones sur Haïti dans l'année 2008. René Préval, pendant deux fois, a déclaré état urgence sous PIA, chaque a duré 15 jours. 21 avril 2010, administration René Préval là a déclaré un autre état urgence pendant 18 mois pour agir sous conséquences tremblementaires 12 janvier. En pile, l'argent a décaissé et ses fonds Petro-Caribéa qui étaient utilisés dans le moment. Août 2015, administration Michel Martelly a déclaré les mêmes taux état d'urgence économique. Mars 2020, dans le cadre de lutte contre le coronavirus, l'équipe SAC qui est en tête l'État a déclaré un état d'urgence sanitaire. 714 millions de gouttes à 19 millions de dollars américains dépensés. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de résultat. 16 mars 2021, même équipe SAC a déclaré état d'urgence sécuritaire. 24 jours après, personne moun pa wè impact état urgence sa. Zone l'état mettez sous contrôle état urgence là sans blessé yo k'ap contrôler l'état. Winchel Adrien, Caraïbes FM. Merci un peu Winchel Adrien. En tout cas, tout le monde qui t'a remis gagner plus détails sous question état d'urgence là et également référendum. Donc nous même nous garder deux vidéos hein sur YouTube là que journaliste Samuel Céliné qui c'est frère Bob c'est fait sur page YouTube li, qui c'est radiographie. Donc sur mon vous capable aller sur les pour gagner plus détails et abonner à Cli Channel ça radiographie pour Samuel Céline.
Comité haïtien pour logement alternatif, Kaila en tête collée à la commission pour victimes village Issa, dénoncé à criminel. Un programme gang armé fait dans village Issa, dans Tabac 49, dans date 28 mars passé. Côté Negaxam, Sayo, tatouillé, violé, puis mettait du feu dans environ 554 familles dans Kaila, 554 familles qui tapent vivre dans la communauté. Ça, une situation responsable KLA dans l'état haïtien est responsable. Il a encouragé victimes dans ce sens pour porter plainte contre autorité concernée qui sont même pas fait un lien pour sécuriser monde qui a vivre dans village Issa. On écoute président petit frère Jean Auguste délégué KLA François Pierrette qui était dans micro Gerline Morestin. C'est dimanche 28, pendant nous avons coulé un béton sur un sous-commissariat, pour nous faire appel avec l'autorité pour mettre les policiers plus présents de nous-mêmes, parce que chaque mois, si vous attaquez nous, c'est durant la nuit, les conseillers ont fait un pilzac, les policiers, les conseillers disent nous, il y a venu le sous-commissariat peigné, il n'y a pas assez de moyens pour lui vivre auprès de nous-mêmes, les conseillers ont pile monde qui est en victime. Nous-mêmes, nous avons dit nous avons fait un sous-commissariat. C'est pendant que nous avons travaillé pour le béton, il y a un monsieur qui vient pas. La prend vidéo, ça n'a pas fait. Pendant que vous prenez le téléphone qui n'a même monsieur, vous faites appel avec la police. Chef bandit qui est le Yvel Célestin alias Tizo, lirez le monsieur deux fois sous téléphone, nous te kembe dans le menu. C'est pendant que nous avons la police pour nous remettre. Nous pas qu'à dire si c'est faux police, si c'est bon police. Policier qui est en sortie dans la base, monsieur, il a monté pour venir chercher, il a mis des sirènes. C'est le moment, monsieur, a couru, il a sorti. Pendant la courir, il a sorti, il a embrassé à la police. Monsieur arrive mourir, nous pas qu'à dire si c'est balle, il y a un individu qui tire. Si c'est bal la police, mettez une altercation. C'est le moment, monsieur a mouru. Et puis, une équipe, monsieur, qui débarque à gros calibre, qui tire dans l'espace là, qui fait tout le monde courir à tout le monde, mais seulement mon baguette en sauver un yon dans l'espace là. Et je ne veux pas nous faire un bilan des actes qui passent. Parce que jusqu'au côté de la palé, personne n'a famille ça. Monsieur, vous déserté dans la zone, vous boule kayo. Vous boule tout ça, vous êtes possédé. Pas qu'à entrer dans le village là, nous n'avons pas un constat des juges de paix légal pour nous évaluer des gars à combien ils élevés. Mais nous connaissons des gars liés normalement pile pour monde nous gagne qui mourir gagne monde qui l'en courir cap quitter village là pour sauver pour eux mais si au barré au en route yo tout yo couper tête yo nous pas connait combien yo nous même en dans commission les n'a privé entrer en contact avec moun yo nous te gagne près de 554 familles journée jodi a les nous recenser dans document que nous gagne 380 toujours qui l'emmène nous mais pour le moment nous pas connait côté l'autre tué papier côté yo si yo pas mourir si yo en province mais nous pas connait contrôle toute 554 familles. Crime ça arrivé dans un contexte côté c'est bandit légal c'est deux groupes gang qui dirigent l'état tourné en véritable organisation criminelle côté même leur population fait appel à eux leur subi de menaces mais gang pas gain aucune intervention que fait pour empêcher ça et nous tandis que la police a arrêté trois monde dit que c'est dans groupe gang ça sorti bon nous dit c'est très bien mais faut que nous dénoncer tout complicité la police dans ça qui passé parce que depuis plusieurs mois monde dans village ça pas suspendre la police de menace que gang a fait sur yon dans village a. Et pas jamais gagné aucune intervention la police fait pour empêcher les actes criminels ça ou rive fait dans village ça. Nous même dans Kaila nous encourager victimes yo porter plainte contre monsieur l'état, porter plainte contre gang ça qui fait toute exaction criminelle ça dans village ça. Même si nous connaît avec gouvernement PHTK ça pas gagné aucune justice qui possible parce que nous ouais ça qui passe dans pays a depuis qu'il les gang a fait actions pas jamais gien ken gang qui interpellé donc nous encourager victime yo porter plainte peut-être après PHTK et avoir une justice à préparation pour za criminel que vous subissez. Ancien sénateur Nenel Kassi critiqué silence complice hein, au commandement police nationale face à monter phénomène kidnapping dans un pays en depuis quelques mois comportement ça selon ancien parlementaire avait institutionnalisé phénomène d'un peu plus. Dirigeant secteur démocratique populaire a dénoncé comportement communauté internationale. Il dit qu'il continue à supporter Jovenel Moïse sous pouvoir. En côté ancien sénateur Nenel Kassi, l'amico original Rémi. Côté la police, là, je dis, il y a kidnappé moun partout. Son seul bagage qui est d'accord, c'est moun yo prenti économie à le payer kidnappé. Pour qui ça la police pas jamais fait aucune intervention pour yo libérer un otage. Ça veut dire. Ça veut dire yo vinn pour moi-même institutionnaliser kidnapping nan.
Depuis le kidnappé, dégagez, cherchez quoi pour libérer tout. Mais qui ça la police Haïti, le peuple là qui a payé là. Je dis, l'important pour tout le monde connaît. Les Jovenel t'a parlé de folie, monter l'armée. Pour qui ça t'a parlé? Pour qui ça on monte l'armée pour patate? Et puis c'est militaire après pour mettre dans la tête la police. Ça n'a pas fait. Voyez militaire dans l'armée pour patate. Parce que la police sont encore civils que liés. Et tout ça, vous voulez dire, on peut le bagaille pour nous. Il faut qu'on tenne compte de ça. Et c'est dans ce sens, nous croyons qu'il est important pour de l'autre groupe dans la société qui, ouais, à qui démocratique menacé pour rejoindre la bataille. Bataille peuple, il va rejoindre le secteur démocratique, mais rejoindre bataille peuple. Nous pas capables de s'allier tout. Des camarades dans la diaspora qui ont fait un pile d'efforts et qui a goumé, par exemple, fait des interventions dans le Congrès pour changer la politique américaine par rapport à la politique avec Haïti. Parce que nous remarquons que le problème Haïti avec les États-Unis, ce n'est pas ni Trump ni Biden. Son problème raciste, son problème qui a gagné contre le peuple haïtien et un travail qui peut faire dans ce sens. Nous pas capables de s'allier tout. Message, pape là, à son message qui peut être en pile catholique tapton. Nous te comprenons, évêque qui te sorti position yo, et qui comprennent mandat Jovenel fini. Mais vous te senti, vous te timide toujours. Même quoi après, message pape là, vous devez mettre main. Nous interpellons tous les catholiques qui sont dans le secteur démocratique et tout le monde qui croit dans l'autorité pape là pour engager dans la bataille pour libérer Haïti. C'est ça le dit dans le message. Pendant ce temps, il faut nous saluer tout le secteur protestant qui est engagé sous béton. Et nous disons pas décourager parce que la bataille pour changement social, c'est une bataille qui coûte, c'est une bataille qui est longue et qui demande en pile résistance. Phénomène d'insécurité avec le kidnapping, il y a un gros qui est cassé dans tout niveau dans la société. D'ailleurs, même organisation qui proche pouvoir, il y a même tout exprimé préoccupation face à silence complice, autorité. Sous situation ça qui commence à gagner gros conséquences sur le fonctionnement de la société. Leslie Charles critiquait le pouvoir en place qui, d'après ça, le dit, pas prend aucune mesure pour combattre la vie chère qui gagne dans le pays avec blackout qui a pataillé et banda sous toute ville New York. Écoutez plus de détails avec Leslie Charles. L'économico régional Rémi. Pour pas garder la sécurité, non pays qui la vie chère, non pays qui a grand coup, non pays qui a jeune garçon pas de travail. L'on parle de ISO, l'on parle de Mano, ou parle de Monsieur Sayo. C'est des gens qui ont toujours marché devant le ministère, qui ont toujours marché chercher la vie. Mais on va jamais jouer un monde qui encadre, qui rend jeudi à des âmes. L'on parle de Rodmat Mour, ou parle de Anel Joseph qui mourit, ou parle de Israël Simon Pelé mourit. N'est-ce qui remplace aujourd'hui à lui plus? Il y a toujours mouru, mais il y a toujours des gangs qui ont des kidnappings. Et ça fait classe silencieuse là, d'une journée, pour me dire, président, c'est un programme social pour mettre sécurité. On ne peut pas vivre dans la ravine, dans la cité, etc. Et faut penser, c'est bandit, c'est là pour la. C'est un bandit pour jouer un petit qui a mangé. Pendant ce temps, il y a un travail, il y a une force pour le travail, et il y a un médecin fini l'école. Automatiquement, pas de monde qui a un cadeau. Ça veut faire, c'est ça que je prends. Et bien, sécurité a lui facilement éteindre, vu que le président tendait, voici l'ensuite, qui sait mettre un programme social à terre dans la plaque pour nos gens, créer des conditions de travail pour mettre l'argent dans le poche. C'est ça, la population veut dire. Le peuple a un grand goût, qui a pété fiel. Et ça, le peuple a dit, il veut pour tendre aujourd'hui. On faut camper, ce sont des programmes qui paraissent comme faux programmes, parce que. Blackout là 24 sur 24, grand boule 24 sur 24, chômage li 24 sur 24, kidnapping dans pays à 24 sur 24, et je dis à président, et 14 de moun sa qui n'en parlait, qui seulement a mettre devant, je te dis terre, soleil, rivière, pour arriver sous population, genre population attend ça. Et yon bon message tout pour m'dou président, yo dit mois d'avril ça, ni son premier à mon dernier mois, si ou pas arrivé, atteindre avec programme social pour sortir dans grand goût dans programme côté que dollars américains monte tête nèg ça l'égal pour l'argent on voit $1,000 américains ba on malheur pour payer caille là il prend à tout yo paye ni transfert yo paye $50 là l'égal il prend yo bali $16,040 haïtiens lui même ils sont $5,000 américains besoin lui obligé acheter pour 20 200 dollars haïtiens. Et ils ont même lancé 3 mouvements, 7 ou 1 balai national, 7 ou 1 ambassade américaine,
7 pour l'ambassade Canada, côté que vous avez dit, mal paquet tout pour aller. Organisation pour construire Haïti ensemble qualifiée lui-même comme démagogie, démarche religion pour la paix qui proposait tête li pour jouer rôle mi-temps jote là dans le cadre de dialogue entre opposition politique là pouvoir en place pour y vivre une solution à crise payant. Coordonnateur Istiktisa, Walker Télémac, mandé population été véatif puisque d'après ça le dit, membres religion pour la paix ont toujours été bouche bée face à Kazak, assassinat, massacre, toute qualité, n'est pas suspendre fait sous population, sitôt, si là, cap évolué dans quartier populaire, dans zone métropolitaine, Port-au-Prince. Il y a un reportage à correspondant nous, Nixon Denius, depuis Ville-Saint-Marc. Nayon Chita Palais, li fait avec presse régionale là, jeudi 8 avril 2021, Walker Télémac, coordonnateur, organisation pour construire ensemble Haïti, rejeté de marche, religion pour la paix, cap chercher faire médiation entre pouvoir en place là, avec opposition politique là. Coordonnateur OC Haïtien, qualifié de démagogie, initiative, responsable, religion pour la paix, qui t'est toujours fait silence face à une série d'actes assassinats, avec massacres qui t'est fait sous une série personnalité, tant qu'au maître Montferrier Doval, population dans diverses régions dans le pays. Et démarche religion pour la paix sont démarches démagogiques. Comme si cap fait moun prend un bagage qui passe pour réalité. Et religion pour la paix Haïti sont institutions qui se presque à travers le monde. Ça fait une religion pour la paix internationale. Religion pour la paix en Haïti, c'est toujours là. Je te vois, peuple qui a souffert. Je vois comment massacre t'a fait. Je vois comment M. Doval mourit. Je vois comment Grégory Sétilé mourit. Je vois comment massacre La Saline fait. Je vois comment massacre Tokyo fait. Je vois misère. Moun belè a passé en bas gang Genève. Est-ce que vous comprenez Amdou là? Yo ouais tout ça qui a passé à travers le pays. Yo te vois comment moun dirige moun Saint-Marc et marchand de Saline vivent en bas gang Anel, gang et Audemars. Yo ouais comment moun Kouadebouké vivent en bas gang Maozo. 400 Maozo, yo te là, yo pas chame sauter en autre, yo pas chame dire rien. Pour ta râler les oreilles gouvernement pour dire attention, c'est pas pour ça ou là. Militant politique là, estimé démarche ça, visé uniquement à faciliter président Jovenel Moïse réaliser quelques projets macabres ligayens, tant coup référendum constitutionnel là ak agence nationale investigation et puis quelques autres projets encore. Donc sont intenses qui montaient pour aider Jovenel à réaliser un seul projet qu'il gagne, un simple plan macabre qu'il gagne contre la population. Par exemple, réforme constitutionnelle, tout le temps Jovenel là, c'est garanti qu'il gagne pour venir avec réforme, ça a besoin de faire un bail constitution, venir avec constitution parler. C'est plan, il y a bail Jovenel pour monter KIP, créer l'IA, qui monte de façon inconstitutionnelle, qui monte dans l'esprit partisan. Est-ce que vous comprenez de là? C'est possibilité à bail Jovenel pour renforcer sa clé à Annie, et pour renforcer sa clé All Black, pour renforcer Gang Genève, qui par exemple, si c'est pas de terroriser la population, c'est ça religion pour la paix vine là. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, et comme monde qui lucide, comme monde qui avisé, qui gon, hey, comme c'est vigilant, qui suivre, déplaçons chaque année, nous dit population, c'est pour toujours être veillé, c'est pour toujours être calé, pour toujours être debout sous des pieds, puis qu'elle prenne un ken bluff, un ken parole tout douce, pour oublier tête li. Religion pour la paix, vine fait un et pour paix, toutes les matchs à faire là, c'est bagaille pour supporter Jovenel, pour aider Jovenel à réaliser objectif. Entre temps, mobilisation pour demander président Jovenel Moïse qui était pouvoir vient renforcer dans cité Nissage Sagia avec yon parti dans secteur religieux avec avocat yo. Yo fait connait, il y a bien pour occuper béton dans jour qui pral vini là pour mander respecter article 134.2 constitution amendée qui parlait fin mandat actuel locataire par les national là. Nixon Denis pour Radio Caraïbe depuis Saint-Marc. Plateforme religion pour la paix pas gain aucune crédibilité ak moralité pour jouer rôle mitan jouette nan suite attendé pour résoudre crise actuelle pays a traversé. Ses positions secteur démocratique ak populaire là porte-parole la structure ça a fait connaître toutefois au prêt pour discuter à communauté internationale là sous départ Jovenel Moïse. Maître André Michel qui fait connaître yo pas gain aucune négociation possible sous article 134-2 constitution en présenté religion pour la paix en couille en institution qui charge avec problème et puis fait partie crise actuelle. Un côté explication maître André Michel dans micro original de Rémi. Cette affaire de médiation de religion pour la paix, un dossier important. La position du secteur démocratique et populaire est claire. Le secteur démocratique et populaire est un groupe politique d'avant-garde. Nous avons accompagné le peuple haïtien pendant tout le mandat de Jovenel Moïse dans cette bataille pour la démocratie. Jovenel Moïse fait tout le mandat de la presse et pays, secteur démocratique et populaire, nous fait tout le temps,
nous beaucoup des peuples. Pas de monde qui a jamais oublié engagement député secteur démocratique là te prend. Pas de monde qui a jamais oublié engagement sénateur secteur démocratique là te prend dans parlement. Pas de monde qui a jamais oublié qualité mobilisation nous fait dans pays avec peuple là 2018 2019 2020 et jusqu'à jodia la bataille continue. Secteur démocratique et populaire pas d'ab jamais accepter pactiser avec le diable. Nous sommes un groupe de conviction. Et le peuple haïtien peut compter sur le secteur démocratique et populaire dans cette bataille pour le changement de ses conditions de vie. Je veux dire, nous-mêmes nous dit, sous question médiation religion pour la paix, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a fait depuis 7 février 2021. À partir de ce moment, pas rien, aucune négociation avec Jovenel Moïse qui est possible. Pas rien, aucun dialogue avec Jovenel Moïse qui est possible. Peuple haïtien, secteur démocratique et populaire, pas négocier et pas jamais négocier sur article 134-2 Constitution. Ça, nous pas faire. Nous pas jamais faire. Et quel que soit le monde qui fait, ou en contravention avec le peuple haïtien. Pour le jour pour la paix, n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire une telle entreprise. Pour le jour pour la paix, pas qu'à faire médiation. Pour le jour pour la paix, charger problème. Pour le jour pour la paix, pas jamais prendre position sur l'article 134-2 Constitution. Pour le jour pour la paix, pas jamais prendre position. Les ont massacré mon la saline. Les ont tué mon belle, les ont tué mon cité soleil. Les ont assassiné bâtonnier d'Orval. Bonjour pour la paix, pas jambes en position. Evony Auguste, qui s'est membre de pour la paix. Ligue mon dans le conseil électoral là. Bonjour pour la paix, fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Bonjour pour la paix est disqualifié pour conduire une entreprise de discussion. Et puis autre chose. Le Monseigneur Père André Dumas, qui sait, à mon sens, je l'assume, seul monde n'a aujourd'hui pour la paix qui a un minimum de crédibilité, bon, on parle dans la question de dialogue là. C'est Monseigneur Beauvoir qui a voué pied la droite à gauche, avec l'autre Toyo et les Clément qui a viré, etc. C'est seul Monseigneur Dumas qui a un minimum de crédibilité. Information bien dans bon dimamite, monsieur, pas dans la bataille ça. Parce que Monseigneur Dumas comprend que vous n'avez pas qu'à parler de dialogue avec un nègre qui a violé la constitution, avec un nègre qui a un mandat fini. Bon, religion pour la paix, chargé problème. Religion pour la paix, mettez le propre, la caille, il charge le problème. Voilà, maître André Michel, précision hein, par rapport à aux déclarations qui ont été faites hier sous question mandat président Jovenel Moïse qui a dit qui était en tout cas non une intervention qui était faite hier là côté intervenant était parlé de c'est à religion pour la paix qui t'a metté question mandat président République là de manière temporelle mais pas en termes de contenu, mais plutôt en termes de contenu, donc pour t'as fait débat sous lit, donc pas sous durée mandat, mais plutôt sous contenu. Donc, selon information nous gagnons, c'est plutôt Alliance Nationale, Force Organisée, ou en solidarité pour Haïti, qui t'a fait proposition ça dans le cadre de lettre qui a été envoyée par Révérend Pasteur Clément Joseph, dans date 24 mars 2021. Donc, c'est yo qui t'a écrit, c'est pas religion pour la paix qui t'a fait mention ça. Gagné parti petit de Saline Pierre-Renel qui yo même dans lettre yo voyé by révérend Clément Joseph secrétaire général religion pour la paix qui daté 5 avril 2021 d'ailleurs yo félicité yo pour initiative ça et yo dit yo recevoir correspondance là qui daté 30 mars 2021 et parti petit de Saline qui lui-même dit le comprendre que religion pour la paix en tout cas s'embarrasser dans question illégalité échéance sociétale insécurité instrumentalisée qui gagne en payant avec question moralité qui posait problème. Donc, parti politique Petit Dessalines qui dit, vu expérience chaque jour, yo, question mobile, qui parti à regroupement politique qui pas listé, qui fait demande à médiation à religion pour la paix. Hein. Parti Petit Dessalines estimé depuis quelque temps, crise haïtienne n'a pas gravé et les circonscrit plus dans différents entre pouvoir, composition. Comme quoi certains là-dedans étaient stratégiques pour capable indexer
yon prétendu intransigeance bon côté opposition hein. Donc désastre gouvernance qui évidemment et notion tout entière qui gagne yo révolté citoyen yo aussi petite Dessalines il regrette que li décliné toute invitation à qu'un quelconque dialogue qui est à proposer. Donc en résumé c'est ça hein. Donc petite Dessalines qui dit que li décliné toute invitation pour ta participer dans un quelconque dialogue qui est à gain pour fête entre opposition à pouvoir en place. Est-ce que c'est l'histoire qui a reproduit là le secteur dans l'opposition pas d'accord Chita que Jovenel Moïse alors que dit au Paris pour Chita communauté internationale là sous comment Jovenel Moïse doit quitter pouvoir nous rappeler la négociation qui t'a faite sous coup d'état militaire en 91 malgré général Cédric a voyagé pour aller Governors Island pour te rencontrer Jean-Bertrand Aristide lui-même qui était voyagé tout pour Zilessa qui trouvait aux états non qui trouvait aux États-Unis, oui. Yo pas de jambes rencontrer tous les deux parties haïtiennes, yo pas de jambes rencontrer toute communication yo t'est faite avec Blanc. Donc finalement, deux parties yo pas de jambes Chita parler. Est-ce que religion pour la paix gagne assez autorité et moralité pour mener un dialogue entre différents secteurs qui impliqués dans la crise là dans le pays d'Haïti? En tout cas, avis au partagé. Nous gagnons en ligne avec nous porte-parole Alliance contre la transition Mackinson Kangé gagné Léonard Jean Reynaldo qui est responsable rassemblement contre impunité a très rapidement pour placer Mopayo sous possibilité pour religion pour la paix a engagé dans mener négociation ou mener dialogue pour arriver résoudre des crises là très rapidement à recevoir Mackinson Kangé. Mackinson Kangé, bonjour. Bonjour, bienvenue. N'a pas salué Bob qui parle avec nous. N'a pas salué Galvez qui n'a pas studio et n'a pas salué tout auditeur auditrice qui attendait l'émission. Et n'a pas salué M. Noto qui a fait ce bad bout avec nous et sous question et dialogue que religion pour la paix voulait prôner en dans le pays. Une question précise, c'est Souline a intervenu puisque là, on a pile l'autre réaction par rapport à annonce pour religion pour la paix à engager dans la négociation ou dialogue pour résoudre crise là. Ou même, est-ce que vous pensez religion pour la paix capable de mener une grosse initiative comme ça? Une forme de pierre, notre alliance démocratique pour la transition en Haïti à l'écran, nous optons pour un dialogue inclusif à la haïtienne. Mais cependant, nous toujours dit, dialogue inclusif à la haïtienne que n'a pas l'air, c'est un dialogue qui doit être basé sur structurel, mais pas structurel. Ça, c'est le plus souvent de donner un ensemble de dialogues qui peuvent pouvoir faire au niveau de pays. C'est pas pour tes fruits. Nous prenons exemple l'Église catholique qui compte entamer des dialogues. Nous prenons tous les ministres pour la paix qui habituent ces dialogues. Mais je dis là, est-ce que le problème est réduit ou pas? Mais cependant, nous disons même au niveau de l'Alliance, nous avons côté nous fixer, nous avons instance, nous avons un parce que nous portons ce dialogue-là sur la table, qui c'est la presse qui peut mettre mes bains pour faire ça. C'est ça. Nous n'avons pas de problème avec l'Église pour la paix. Il laisse entamer au dialogue. Mais cependant, nous avons des religions pour la paix. On garde comment nous sommes capables d'autres tenir de la presse, si on tire la presse, pour lui permettre que le dialogue là, il est fait parce que la presse, c'est la seule instance qui est capable de mettre toute attention sous table qui peut dialoguer. Si donc, nous pensons que des marches de religion pour la paix, nous ne pouvons pas dire que les paris doivent à nous, mais ben, lui, il faut écarter quoi de machin, un emboîter le bas avec la presse pour que la presse vienne tout ça, que soit inclusif à la HL, nous-mêmes au niveau de l'Alliance démocratique pour la transition à Pounia pour lui des fêtes dans le pays. Jean Reynaldo, Lerona, responsable rassemblement contre impunité, quand j'ai pensé, c'est pas religion la paix, autant que me comprenne, qui est capable de mener dialogue là, dans la situation où il est là, il fait appel à la presse, ou même comme responsable rassemblement contre impunité, qui sont pensés?
Bon, ma profite pour me saluer au Périnel et ma saluer guerrier qui dans micro à tout. Et moi saluer monsieur Danger. Il est vrai monsieur Danger, monsieur Danger. Et nous-mêmes au niveau des rassemblements côté Pénité, nous croyons que dialogue son bagage qui est important pour que nous résoudre un problème crise qui gagne dans le pays. Mais cependant, dialogue là, faut que nous connaissions comment il y a fait. Est-ce que nous allons dialoguer avec un monde dans moins de 5 ans qui tue près de 10 à 15 000 monde dans le pays? Est-ce que nous allons dialoguer avec un monde qui crase l'économie pays nous en Haïti? Est-ce que nous allons dialoguer avec un monde lui-même qui pas quoi dans dialogue? Et M. Jovenel, nous connaît en même fois, il était initié et question de dialogue là. Et lorsque le dialogue là commence, tout le monde lui-même écrasé. Si nous changeons le soucien, et si nous changeons tout, lorsque tu gagné une équipe et catholique qui était prêt pour que tu discutes avec toute population. Nous croyons que aujourd'hui, dialogue et religion pour la paix, livré fait entre toute population, nous n'avons pas de problème avec. Et nous connaissons deux personnalités qui sont dans ce qui est vraiment honnête, qui est capable. Nous connaissons Mgr Dima, nous connaissons Mgr Auger Beauvoir, qui me profite de saluer, et son monde que nous connaissons qui intègre. Et pas de personne monde qui est capable de joindre rien pour que reprocher Mgr Beauvoir, etc. Donc, mais je veux dire que nous croyons que des matchs, ça, l'autre structure dans l'opposition et pouvoir mandéa, je dis à l'IPA au profit des populations. Par exemple, nous connaissons dans la structure ça, religion pour la paix, particulièrement Mambo Ivoni, et qui est représentant dans le conseil électoral là. Est-ce que vous pensez que c'est logique pour que nous allons accepter de chuter avec eux? Nous croyons que le dialogue ça, il faut que ce soit un dialogue qui doit être après M. Jovenel, lui d'accord, mandat fini le 17 février, lui prêt pour quitter le palais national. Et le conseil électoral, malachon ça, que nous avons mis sous pied, il faut que le conseil électoral ça, il va facile. Et quand tu es monde, M. Jovenel t'est armé, et selon la déclaration qu'il t'a fait, l'aide à parler, il dit quand tu es âme qui gagne, dans le pays, ça, est-ce qu'il y a un monde qui pensait qu'il y a un autre monde qui a dirigé sans lui-même? Mm-hmm. Dialogue, ça, oui, nous pour dialogue, mais il n'est pas possible avec un criminel notoire, un professionnel. Et en pire, qui est dans la police, là, l'autre, on est pour Léon Charles, l'autre, on est pour Paul Ménard. Crime, méchanceté, M. Sayo fait pays, là, avant dialogue, là, fort M. Sayo, la justice a questionné. Une autre fois encore, que nous-mêmes, nous félicitons la presse qui a fait bon travail ça et nous demandons pour que la presse ait toujours accompagné la population. Oui, nous pour dialogue entre toutes structures qui croient dans le changement dans le pays, mais en même temps, il faut que nous mettions de côté tout assassin, tout le monde qui n'a pas dans le dialogue, tout le monde qui a travaillé pour pays à arriver dans sa liée pour venir plus mal. Et nous profiter pour que nous disions qu'en groupe, nous mettons un petit tas d'eau tout petit en dans la fournaise là. Mais qu'en groupe, nous croyons que son jouet pour faire avec la population hein, pour qu'ils acceptent le référendum Jovenel là. Donc, référendum ça, nouvelle constitution ça, côté Jovenel a préparé. Pour demander tout criminel notoire, tout gros volé, pour ne pas jamais parler devant la justice, c'est ça qui est dans la nouvelle constitution. Donc, nous-mêmes, nous ne croyons pas dans l'intervention comme groupe là, mais plutôt nous demander à la population haïtienne. Jean-Rénaldo, nous tous d'accord et nous mettons d'accord sur la nécessité du dialogue là, mais. Nous pas d'accord sous Jean Sadoué fait, mais entendez de part et d'autre de propositions qui allaient dans le sens sous comment Sadoué fait,
Comment t'as mettre toute proposition ça ensemble pour nous arriver à faire dialogue là, puisque je dis hein, nous réaliser c'est une nécessité. Bon, proposition différente, yo, nous allons mettre sur table là. Mais comme nous connaissons, M. Jovenel n'a pas eu aucune proposition ni bon côté pas là. M. Jovenel et nous capable dire, c'est lui-même qui cause tout massacre qui fait Belen yo. Massacre la saline tout côté. Donc, discussion qui t'a dû faire avec Jovenel, c'est pas une friture, mais c'est la justice qui t'a dû faire. C'est la justice qui t'a pour questionner Jovenel. Comment nous-mêmes, nous, dialogue la li possible, son dialogue qui doit faire avec toute nation, avec toute petite nation qui croit dans le changement, et nous croit la religion catholique, nous profiter, féliciter pour position qu'on prend, mais nous demander pour aller plus loin. Et pour on faire même avec l'église protestante, yon même qui mette pied yon à terre. Et pour nous, on va le dire, nous te wè, quand tu es fidèle catholique qui était dans la rue. Donc nous demander pour l'église catholique, les mandés population, hein, les mandés fidèles pour prendre la rue. Et prendre la rue, nous ne pouvons pas aller monter Pétionville. Nécessité pour dialoguer, mais nous pas arriver à entendre et c'est réalité à ça, sous comment ça doit être fait. Et pourtant, nous admettre que son on nécessité pour gagner dialogue là qui fait, mais finalement là, n'a marqué pas sous place. Est-ce qu'on pensait n'a privé vraiment à réaliser un dialogue hein, pour non seulement résoudre problème qui gagne jeudi à, mais tout pour résoudre problème en profondeur pays à vivre là depuis quelque temps, et c'est pas jeudi à, n'a parlé de dialogue et gagner un pile monde qui était venu à de mots, de thèmes qui rappelaient les nécessités et dialogue ça. Donc je dis encore, on a parlé de dialogue. Est-ce qu'on pensait finalement en privé fait dialogue ça PIA souhaité pour résoudre définitivement crise et trouver là dedans. N'a pas le fini. Moi je pense que monsieur est cohérent dans sa vie. Si monsieur nous a parlé de dialogue avec tout petit pays, ben, je dis là, il n'y a pas qu'à écarter le président. C'est un petit pays. C'est pour penser que dans le journal, en tant que petit pays, il doit participer activement au dialogue qu'a fait pour le pays. Et là, pas d'encore, monsieur le PR. On nous garde bien. Lorsque dans mon bureau pour mari, il doit divorcer avec elle. Il n'y a pas qu'à jouer pas dialogue, non, parce qu'il faut garder, premièrement, comment ça se fait à pied. Et puis deuxièmement, comment repartir son bien à pied. Quel que soit le chose qui est capable ou bien du problème qui est capable pour nous, il faut que le président Jovenel participe à nos dialogues là parce que l'idée est mon pas le plus. Et encore, nous pensons que comment est possible? Tout le monde d'accord transcender, tout le monde d'accord fait ça ou le dépassement de soi, mettez de côté intérêt personnel. On garde des problèmes pour nous dire bon, dans 25 ans, comment nous sommes capables de sauver les. Parce que pas pire, nous passons 34 ans dans le libre. Côté que division, la haine mène nous dans l'effondrement. Mais je veux dire là, pour ces citoyens qui passent la caille chaque grain, nous sommes capables de permettre nous de sauver 25 ans dans le vigne. C'est dans ce sens que nous disons que je veux dire là, la haine, la presse doit écouter ça pour mettre tout le monde chita sur le même table et puis pour venir doter pays de projet de société, de plan de développement durable après, même après 50, 30 ans, 40 ans, petit nous, capable de vivre en dans pays. Mackinson Kangé, nous bral fini. Là, nous te prenons un petit temps pour nous dégager des positions séparées. Nous chacun gagne sur question et dialogue là. Et 10 secondes hein, pour nous finir net et pour nous aller dans l'autre réaction. Yo, et Rinaldo. Oui, nous croyons que le dialogue là, nous est possible. Mais Jean d'Angélie, Jovenel, est-ce que nous allons considérer comme un petit pays? Si Jovenel est un petit pays, est-ce que Jovenel a bien conscience pour que lui tue tout le monde dans le pays? Est-ce que Jovenel a arrivé à détruire toute l'économie du pays? Mais tu as Jean-Baptiste Dubois. Donc je dis à que nous-mêmes, nous croyons Jovenel, il n'est pas à la hauteur pour que le monde chute avec lui.
Jovenel il fait trop crime dans le pays. Ok, donc, nous croyons que Dodia, nous-mêmes, au niveau de l'Assemblement contre l'immunité, nous croyons dialogue. Nous croyons si tu as parlé entre nous-mêmes, mais dans nous-mêmes, non, soit que nous ne pas inviter au monde que nous connaissons qui va le craser dialogue là. Au monde que nous connaissons, dialogue là, pas fait. Mais avant d'aller, c'est détruire la liquide. Donc, pour notre fois encore, et population, il faut que nous chita parler entre nous-mêmes. Il faut que nous chita pour que nous connaissions comment la transition va le faire. Il faut que nous chita pour que nous connaissions la conférence nationale là, comment va le faire. Oui, il faut que nous chita pour que nous rebâtissions le pays. Hein, mais nous ne pouvons pas quitter M. Jovenel. Merci, merci. Merci Jean-Rénaldo. Léonard, quand j'ai 10 secondes pour finir. Bon, la population, c'est aujourd'hui la meilleure façon de nous capables de sauver le pays, hein, ou le pays dans l'effondrement que j'ai, c'est un dialogue inclusif à l'Haïtienne qui doit faire. Et nous-mêmes, au niveau de l'Alliance démocratique contre la transition en Haïti, nous dit presque là, s'il vous plaît, assumer responsabilité ça pour nous, mais bâcler ça pour nous, pour que nous capables de te payer de un accord politique, et accord politique ça pourra permettre que mon plan de développement durable pour 25 ans, 30 ans, 40 ans, rive 7 ans pour jeunes garçons, jeunes femmes, 6 ans, Achille, pour économie nous capables de remonter, pour agriculture nous capables effleurer en un pays. Et que nous puissions avoir une société équitable pour que la justice sociale que nous avons besoin pour vivre cette. Voilà, deux groupes, il y a une proche opposition, hein, Alliance contre la transition, parti ou organisation proche pouvoir, et même qui couait, dialogue là possible, et Léonard Jean Reynaldo, responsable Rassemblement contre l'impunité, un groupe qui proche opposition, qui couait, les mêmes dialogue là pas possible, hein, que Jovenel Moïse, donc avis partagé sous question dialogue là, mais pays à reconnaître, c'est une nécessité. Et l'être tout l'ouvrier, ça, que Matrice Libération, les mêmes liés adressés à Religion pour la paix, pour la paix nationale, avec internationale, eh bien, ils ont posé question, ça, qui laisse, qui a dit, il pas connaît, personne ne devrait forcer, ils ont l'autre broté de l'eau dans le panier pour plein canari couler. Nous-mêmes, Matrice Libération, qui c'est un mouvement social, avec politique qui a pas contrôlé, et puis veillé sur respect, moment loi pays, qui s'est constitution 87 ans, eh bien, ils ont été chapeau bien bas pour saluer toute compatriote religion pour la paix, comme une institution morale qui pas dans ses collés, avec tout agissement qu'a fait dans un fait noir corruption, qu'a dans la loi. Dans ce sens, Matrice Libération choisit, écrit, non pour nous faire songer, si aucun situation la terre, régime Boudi, PHTK, t'es fait oublier, mandat, constitution 87 ans, t'es bas, ancien président Jovenel Moïse l'arrivé, dans Boutli d'un pays 7 février. 2021 qui sont passés là d'après article 134-2. Malgré nous-mêmes dans Matrice Libération, nous arrivons à comprendre coûte main notable, respectable, religion pour la paix ou vle bail, pour payer pas arrêter dans bas-fond pratique. Boudi à gros point, ancien président Jovenel Moïse, commence à installer dans le pays depuis 7 février 2021. Il cherche à joindre une manière pour crise la résoudre dans acteur haïtien qui s'est premier concerné yo et puis tout nan sur route démocratie avec transparence Jean Constitution 87 l'an exige l'an. Matrice Libération pas souhaité aucune institution dans la société civile et politique la rentrer dans une démarche courie pour l'appli différence dans un temps pour yo à laguer pays dans acide batterie mesdames ak coquin dans un autre temps même gens communauté internationale raciste la fait depuis longtemps dans l'idée pour aider nous comprendre comme apporte la paix dimension crise là ak pour pas rentrer dans vanne de l'eau dans la yépède. Ditan, Matrice Libération tamen yon réflexion sur 10 nan yon bon ak yon paquet mauvais ak yon di pouvoir de facto a fait nan pays pendant y a pas profité mandé pour est-ce que nous pas au courant et est-ce que nous pas au courant malgré mandat président mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021 li rete nan palais en bon d'assomane malgré article 134-3 constitution interdit prolongement mandat président est-ce que nous pas au courant c'est président Jovenel Moïse crasé palement depuis deuxième à lundi janvier 2020.
Est-ce que nous pas au courant, ancien président Moïse crasé pouvoir judiciaire là, l'a révoqué et puis nommé trois juges dans la Cour cassation. Donc plusieurs questions, soit 10 questions, matrice libération posée. Dernière question, hein, c'est est-ce que nous pas au courant à tentation pour faire référendum, tête chatte à sélection pour continuer cracher sous Constitution 87 là. C'est vrai, nous comprenons le dialogue, c'est un outil important pour quimber démocratie vivante, mais nous comprenons tout aucun Kazakh totalitaire fasciste papa qui arrive à habiller démocratie pour chanter libérer la justice. Nous-mêmes, dans Matrice Libération, pour nous tout dialogue, dans mi-temps force progressiste avec nationaliste. Et alors, il y a dit nous tout, hein, tout dialogue, nous mettons force progressiste avec nationaliste, nous d'accord pour nous supporter dialogue, pour pays à réconcilier avec Tetli, qui donc l'histoire, qu'il t'il. Dans l'idée pour rejoindre dignité comme peuple, pour gagner bon gens, relance économique avec production industrielle, pour nous joindre droit grand dette majeur nous, pour nous sortir d'un système apartheid avec exclusion ça. Mais nous voyons jeter dans la poubelle tout dialogue pour job avec pour poche capable favoriser impunité pour corruption continuer de pas finir, puis plus toujours famille. Haïtien yo. Voilà, yon note bureau communication. Matrice Libération fait rivé joindre nous et qui est adressé avec religion pour la paix.